Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Moi, c'est moi qui dis plus à cœur. On dit ensemble. On Ça fait essaie comment? plaisir. Un, deux, trois. Hey, hey, hey! Salut! Salut! J'espère J'espère que que vous vous allez allez bien. bien. Moi, Moi, ça ça va va bien. bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tag. Ça s'appelle le tag depuis que Que tu... est chrétien? Yeah! Il y a quelques questions que je vais devoir poser. Et on va y répondre chacun à notre tour. Yes. Tout simplement. Première question! Comment tu poses la question? Réponds à Jacques. Jacques, frère! On te pose la question, frère. Depuis quand t'es chrétien? Hein? Alors, je crois que t'es fâché avec nous. Déjà, je suis né dans une famille chrétienne. Pour moi, je considère, pour moi, que je suis devenu chrétien, c'était lors de mon baptême. C'était quand? C'était en décembre 2009. Ok, bah moi je dirais pareil, hein. Je suis devenue, enfin, je suis issue de famille chrétienne, mais je suis devenue chrétienne moi quand j'ai accepté Jésus dans ma vie et quand aussi je l'ai montré publiquement en me baptisant. Et moi c'était en janvier 2010. C'était pas loin, hein? Ouais. Colérique, je me fâchais très facilement. Ouais, j'étais très très colérique. Je rigole, ouais, j'étais colérique. Et depuis que je suis chrétien, j'ai commencé à travailler ça, essayer de pas trop me fâcher, par exemple, parce que vous savez, de relativiser. Voilà, relativiser. Quand tu es chrétien, il y a aussi un, quand tu te baptises, il y a aussi un travail que tu dois faire de ton côté, voilà, pour avancer. Et moi, j'amplifiais les vérités. Ah, ok, je vois. Voilà, c'est-à-dire que c'est-à-dire que si par exemple je voyais une personne qui descend de l'escalier qui a loupé une marche, moi je vais dire elle a roulé l'escalier, elle a fait tomber, tu vois. Elle a fait des tonneaux, elle la s'est vérité, renversée. La vérité, c'est que la personne est tombée, mais la personne n'a pas roulé, roulé, elle a juste manqué une marche, tu vois. Elle a roulé. Donc c'était ça, j'amplifiais les vérités. Pour que ce soit intéressant quand je raconte une histoire, pour que la personne soit... Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. Donc je rajoutais du piment, du Dans sel. Donc tu mettais de l'huile, quoi. Ouais, voilà. Allez, de l'huile, allez, vas-y, arrose de l'huile. Comme ça, les gens, ils étaient intéressés par mes histoires. Ma bande d'amis n'a pas changé et je vois pas pourquoi je le changerais. De toute façon, quand on est chrétien, faut pas fuir nos amis. Sauf, je dis bien sauf si cette bande d'amis nous traîne dans des voies contradictoires, c'est-à-dire à l'abandon de la parole de Dieu. Ma bande d'amis, non, c'est pas la même. Pourquoi? Ben parce que je suis venu en France. Peut-être que si j'étais resté en Martinique, ça aurait été la même. Après, c'est des gens avec qui je garde contact. Quand tu deviens chrétien, tu n'es pas en mode ben, les gens qui sont pas chrétiens arrière de moi, tu vois. Ouais, je vois. C'est-à-dire que tu dois quand même être une lumière pour eux. Donc si ouais. tu coupes les liens avec eux et que tu t'entoures qu'avec des chrétiens, c'est où que tu vas faire ta part d'évangélisation? C'est où que tu vas faire la différence puisque tu restes qu'avec les chrétiens? Commenter. Tu as déjà dit oui. Partager. Encore une fois. Aimer. Aimer. Tu vois? Et liker. Commenter. Oui, commenter. Partager. Partager. Aimer. Aimer. C'est bon? C'est bon. Ok, donc commenter. Partagez! Je rigole! À la prochaine! À la prochaine, que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse!